Les amis, Verity est en grande surface. Elle cherche des articles à offrir à sa petite sœur, Tia Baby Boss. Verity est une super grande sœur. Elle prépare un swap pour Tia. Elle va l'offrir 5 cadeaux surprises. Les amis, j'ai un challenge pour vous. Imaginez que vous êtes dans le supermarché avec Verity. Qu'est-ce que vous allez sélectionner comme cadeau mystère pour Tia Baby Boss? Partagez vos idées pour le swap avec nous dans la partie communauté. On a hâte de lire tous vos commentaires. Allez Verity, dépêche-toi! Le swap va bientôt commencer. Mais qu'est-ce que tu fais dans le rayon jouets? J'espère que c'est pas pour toi, hein? N'oublie pas, c'est un swap pour Tia Baby Boss. Oh, qu'est-ce que je vois là? Ça a l'air délicieux. Des gourdes. Allez, on commence. Les amis, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser des méga pouces bleus et d'appuyer sur la cloche. Et bien sûr, de s'abonner à notre chaîne. Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons faire un super swap entre Verity et Tia Baby Boss. Mais au fait, Verity, c'est pas vraiment un swap puisque Tia Baby Boss a zéro cadeau pour toi et toi, t'as un paquet de cadeaux là pour Tia. Waouh! T'es vraiment une super grande sœur! Bon, Tia, t'as plein d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Verity, est-ce que tu sais ce qui se passe? Bah oui, elle a plein d'énergie parce que bientôt elle va aller à la crèche pour la première fois. Oui, Tia va commencer la crèche. Elle ne sera plus ici avec moi à la maison. Elle va sociabiliser avec d'autres petits bébés. Oui, et tu auras une maîtresse, une salle de classe. Oh, tu vas manger des repas différents et tu vas apprendre plein de choses super intéressantes. Est-ce que tu es prête, Tia? Qu'est-ce que t'en penses, Verity? Est-ce que tu te souviens, toi, de tes premières, ta première journée à la crèche? Non, je ne me rappelle même plus de la crèche. Verity, tu te rappelles plus de ta première journée à la crèche et aucune journée à la crèche? Mais ça fait 1000 ans! Bon, est-ce que tu te rappelles de ta première journée à l'école? Oui. Oh, tu te rappelles de ta première journée à l'école? Non. Oui, non. Voilà, c'est super, Verity. Les amis, si vous vous rappelez de la première fois quand vous êtes allé à la crèche, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Ok, bah je pense que ça sera difficile. Donc peut-être si vous vous rappelez de la première journée à l'école. Et même si vous avez changé d'école, ça compte aussi. Donc dites-nous dans la partie communauté, juste là. On aimerait bien savoir parce que... c'est intéressant. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Je pense que Tia ne peut plus attendre. Elle veut ouvrir son premier cadeau. En fait, Verity, il y a combien de cadeaux en total? Je ne pouvais pas résister. D'habitude, il y a 5 cadeaux. Là, je vois beaucoup plus. Il y en a combien? J'adore, Tia. Je suis une super grande sœur et c'est pour ça que j'ai plein de cadeaux. J'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Tia a 8 cadeaux? Oh wow, c'est génial. Allez, on les ouvre tout de suite. Tiens, bien sûr, Tia, tu peux commencer. Allez Tia, on ouvre la première. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, oh là là. Qu'est-ce que c'est chou. Verity tombe une petite gourde. On enlève les étiquettes et on va voir si Tia peut tenir cette gourde. Oh, j'adore la couleur, hein? Le vert fluo. Est-ce que tu sais tenir une gourde? Montre-nous. Oh! Bravo, Tia! C'est exact. On tient la gourde comme ça et ensuite on boit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Super! Oh, génial, Verity. On continue le deuxième cadeau, Tia. Qu'est-ce que c'est? Wow! Encore du vert! C'est un manger, Verity. Tu offres des galettes. Oh, ça l'excite. Des galettes au riz et la pomme. Elle adore les galettes au riz. Oh, ouais, c'est vrai. Elle a partagé son goûter avec les amis qui vont se faire. Oh, Tia, je pense que tu es super contente. Oui, c'est une bonne idée, Verity. Est-ce que tu veux goûter une galette? Oui, on va l'ouvrir. Allez, on l'ouvre.
On va voir si tu aimes bien. Tu n'as jamais mangé les galettes au riz et les pommes. Regarde la petite forme, c'est parfait pour une toute petite chouchou comme toi. Voilà ta galette. Oh! Qu'est-ce que t'en penses, Tia? C'est bon? Pouce bleu? Pouce bleu! Super! Les amis, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram qui s'appelle Verity and Chelsea Family! Et sur le compte de Chelsea qui s'appelle Chelsea Tonnet! Oui! Et le compte de Tia qui s'appelle Verity Baby Boss! Et oui, on poste des photos, des vidéos et des stories tout le temps! Allez, cadeau numéro 3! Qu'est-ce que ta super grande sœur t'offre maintenant? Tiens! Oh, c'est doux, qu'est-ce que c'est? C'est doux parce que c'est une doudou. Oh, Verity, elle est magnifique. Waouh, t'as vu ce petit chien? Oh oui, oui, ça te fait sourire. T'as vu comment elle... Oh! Dans la bouche. J'offre un doudou à Tia parce que le premier jour de la crèche, on peut des fois avoir peur. Oui, c'est vrai. Donc voilà, tu auras ton petit chien avec toi. Regarde, regarde sa queue en arc-en-ciel. Oh, et regardez, il a même un onesie, un peu comme toi, Tia. Oh là là, ça c'est un super cadeau, Verity. Oh, Tia, tu le gardes? Voilà, tiens. Cadeau numéro 4. Allez, c'est parti. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça c'est un grand cadeau. Ah Tia, qu'est-ce que tu imagines? Devine un peu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Ça fait plaisir à Tia. Qu'est-ce... Regardez! Oh waouh! Une tenue! C'est la tenue pour le premier jour? Oui! Oh Verity! Elle sera trop fashion, vraiment stylée. J'ai hâte de voir ça. Les amis, si vous voulez voir Tia dans cette robe, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que Chelsea va emmener Tia à la crèche. Oui, tu vas porter cette superbe tenue, vraiment stylée. Waouh! Bah regarde, regarde la différence. Là, elle est en vêtement de gros bébé. Et bientôt, elle sera en tenue super cool, stylée, style. Bah, c'est pas, toi t'as toujours du fashion, hein. Waouh, wow, t'as beaucoup de chance avec ta super grande sœur. Allez, c'est cadeau numéro quoi, Verity? Cadeau numéro 5. Cadeau numéro 5. Oh, tu l'as ouvert. Allez, Tia, un nouveau cadeau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu l'ouvres? Allez, ouvre ton cadeau. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi? Je voulais offrir un jouet éducatif à Tia. Eh oui, bah ce sont ses premières maracas. Elle va jouer de la musique en classe. Est-ce que tu vas aussi danser? Bah apparemment ça te plaît bien. Au fait, il faut juste mettre des piles à l'intérieur et ça va jouer de la musique. Génial, Verity. Allez, on passe à la suite. Cadeau numéro 6. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tes premières feutres. Eh oui, oh Verity, c'est trop chou, les premières feutres de Tia. Ce sont des feutres qui se lavent. Donc au cas où Tia se dessine un peu sur les vêtements, on peut mettre dans la machine et ça va disparaître. Allez Tia, qu'est-ce que tu choisis? Il y a plein de couleurs. Il y a du vert, du orange, du rouge, du violet, du bleu, du marron, du noir. Allez, qu'est-ce que tu choisis? Le vert. Oh! Tia a pris le feutre vert. Allez Tia, c'est la première fois que tu dessines. On va voir. Est-ce que tu es une artiste comme ta sœur? On l'ouvre. Regarde, c'est comme ça, Tia. On l'ouvre comme ça. Ensuite, tu le prends. Oh, 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 oh.
On décide, sur la feuille. Allez, oh non, c'est pas pour manger. Oh là là, c'est pas pour manger, il faut dessiner. Allez, on dessine ici. Vas-y. Dessine ici. Et ici, tu veux lui montrer comment faire? Oui, bien sûr, je vais prendre du rouge. Là, tiens. Allez, on dessine. Tu vas dessiner comme ta grande sœur. Oh! Et moi aussi. Regarde. Toutes les trois, on dessine. Regarde. T'as vu ça? J'ai fait des vagues. Et toi, qu'est-ce que tu vas dessiner? Love you, Tia. Regarde, on dessine comme ça. Tu dessines? Tu vas dessiner? Oh là là! Bon, je pense que Tia a encore besoin... Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ah, ça c'est bien, Verity. Oh oui, vas-y Tia. Oui, ta super grande sœur Ted. Donc Tia a dessiné ce trait vert là. Bravo Tia. Oh, je vois que tu vas apprendre plein de choses à la crèche. Et il faut juste écouter la maîtresse au fait. Est-ce que tu peux faire ça? Je pense que oui. Allez, on continue. Cadeau numéro 7. Un nouveau cadeau. Oh, tu aimes bien tes galettes au riz, hein? Tu partages pas avec nous? Non. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau numéro 7? Qu'est-ce que c'est ça? Un bouquin. Ah, qu'est-ce que ça dit? Ne jamais toucher un panda. Et quand on le touche, oh, il y a une drôle de sensation. T'as vu ça? Tu veux le toucher, Tia? Regarde. Touche, Tia. Tu veux toucher ce panda? Tu veux toucher son ventre? Non, non. Regarde, il ne faut jamais toucher un panda. Super comme cadeau, Verity, parce que la lecture est très importante, surtout quand on est bébé. Le cerveau est comme une éponge, ça absorbe toutes les informations. Donc, il y a plein de choses, plein d'histoires intéressantes, plein de vocabulaire que Tia va apprendre grâce à la lecture. Merci. De rien. Et le dernier cadeau, cadeau numéro 8. Tiens, tu veux l'ouvrir? Je vais l'ouvrir, regarde là. Allez, maman, c'est le cadeau le plus spécial. Le cadeau le plus spécial. Elle adore. De la pâte à modeler. Tia, est-ce que tu es prête à jouer avec de la pâte à modeler? Ah, apparemment si. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de la cuisine. Elle pourra faire des crêpes. Du bacon. Ou même des petits gâteaux. Oh, c'est génial. Il y a quoi comme couleur à l'intérieur? Il y a du marron, du rouge, de l'orange, du jaune, blanc, du violet et du bleu. Ah, c'est trop bien ça. Est-ce qu'on l'ouvre? On l'ouvre, Ça sera la première fois que Tia joue avec de la pâte à modeler. Regarde. Il y a une petite casserole pour faire les crêpes. Et là, c'est pour faire des biscuits, hein? Des gâteaux au chat. C'est important de jouer avec son bébé. Surtout quand c'est la première fois que son bébé découpe de la pâte à modeler. Parce que si on ne regarde pas, elle peut le mettre dans la bouche. Elle peut le confondre pour un aliment comestible. Donc, je dois surveiller. Tia, regarde. Tu veux toucher la pâte à modeler? Regarde. Tu veux toucher? Touche. Qu'est-ce que t'en penses? Touche la texture. C'est une drôle de texture. Tiens, touche. Merci Verity pour tous ces cadeaux. C'était incroyable. Tu as beaucoup de chance de t'avoir comme une super grande sœur. Waouh! Tia, je pense que tu es prête pour ta première journée à la crèche. Au revoir les copains et les copines. Si vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Et aussi, si vous aimez bien ce genre de vidéo, allez sur ma chaîne et voyez, s'il y a des vidéos que vous n'avez pas encore vues. Au revoir mes petits.
Tia, j'espère que tu auras une merveilleuse journée demain à la crèche. Je te vois demain après l'école. Oui, elle va tout te raconter après l'école. Coucou Tia, nous sommes arrivés à la crèche. Eh oui, t'es prête? Ah, doudou. Il y a deux doudous là. On y va? On y va! Oui. Et Tia? Tia est sur la balançoire. Eh oui, Tia est arrivée à la crèche. Elle est déjà sur la balançoire.